plus de peur que de mal pour cet incendie qui s'est déclaré dans le quartier de la Belle de Mai. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer dans cet entrepôt de la rue Christofol qui a pris feu vers 3h ce matin. Les engins sont arrivés rapidement sur les lieux pour procéder à l'extinction. Une des particularités, ça a été de mettre en sécurité des habitants qui se trouvaient à proximité, puisqu'on avait un immeuble d'habitation qui était mitoyen de l'entrepôt. Donc une cinquantaine de personnes ont été évacuées. Une évacuation d'urgence, principalement due à la présence de matériaux inflammables. L'entrepôt contenait en effet du mobilier et l'incendie a été spectaculaire. J'ai été réveillé à 3h moins le quart par une odeur de soufre, etc., une odeur de cramé. Donc le premier réflexe, c'est que j'ai mis la tête à la fenêtre. Et là, j'ai vu des jeunes qui me criaient « il y a le feu au fond ». Donc ce que j'ai fait, j'ai alerté ma famille. Et ensuite, je suis remonté au deuxième étage pour alerter mon voisin. Et là-dessus, tout le monde est descendu, quoi. En tout, une soixantaine de marins-pompiers et 17 véhicules ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie.